expecting you. Fan love, life's sweetest reward. C'est le meilleur moyen pour s'enfuir ensemble. Oh, est-ce que je t'ai déjà dit que tu étais follement drôle, très beau et sexy en ce moment? Je suis aussi très soigné, tu l'oublies. Oh, Ned Dunkmuller, je t'adore. Est-ce que tu te rends compte de l'effet que ça produit de manger des vitamines? C'est pour ça que j'en mange tous les jours. Est-ce que tu pourrais croire que j'ai presque 57 ans? Non. Mais je t'assure. Pourtant, je t'en donnerai à peine 56. Ma mère était parfaitement heureuse dans cette maison de retraite, mais il a fallu que votre père lui mette l'idée dans le crâne de s'enfuir avec lui. C'est elle qui en a eu l'idée. Elle l'a même forcé à vendre toutes ses actions pour avoir de l'argent frais. Écoutez, il faut absolument les faire débarquer avant qu'un malheur ne leur arrive. Ah, pour une fois, on est du même avis. Pardon, mademoiselle, oui. Pourriez-vous me dire où je peux trouver ma mère? C'est une vieille dame fragile qui voyage avec un vieil homme arthritique. Il s'appelle Dunkmuller. Ah, Dunkmuller, oui. Eh bien, ils sont sur le pont promenade, cabine 341. Oui, oui, c'est au bout du couloir, là, sur la droite. Vous êtes en train de sauver deux personnes admirables d'un terrible, terrible malheur. Merci. Isa, tu sais que tu les as envoyés dans la direction de la salle à manger et que nous apparaîtrions dans moins de 5 minutes. Ils ne retrouveront jamais leurs parents avant le départ. Ah, je défends les amoureux de tout poil, en toutes circonstances. Et la meilleure, c'est que ma mère était blonde, oui, exactement de la même couleur que vous, c'est drôle. C'est une attention, femme il pourrait faire un transfert. Personnellement, ma mère n'était pas blonde, mais c'est ma couleur de cheveux préférée. Gopher? Sylvia, mais qu'est-ce que tu fabriques ici? Tu m'as toujours dit qu'on s'amusait comme des fous pendant ces croisières et qu'il n'y avait pas mieux comme vacances pour une célibataire. Alors j'ai fait des économies toute l'année, j'ai décidé de me remettre entre tes mains. Je suis toute à toi. Bienvenue. Docteur, dis bonjour à ma chère voisine de palier. Sylvia, dis bonjour au docteur. Bonjour. Est-ce que ça vous plaît jusqu'à présent? Oh, c'est vraiment génial. Tout a l'air si romantique. Nous baignons en plein romantisme. Vous serez peut-être marié à Acapulco. On y sera quand, Acapulco? Paris, messieurs, ménage. Attention, oh, c'est du cuir, ne pas rayer, hein. Doucement, doucement. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Aïe, cette malle est la propriété de Madame Maria, diseuse de bonne aventure réputée et célèbre chiromancienne, suite sur l'autre malle. C'est un jeu de piste, dites donc. Uniquement sur rendez-vous. S'adresser à l'intérieur. Qu'est-ce que tu penses de cette entrée en scène? C'est réussi, non? Commandant, je vous présente ma vieille amie de faculté, Marie-Louise Murphy, connue sous le nom de Madame Maria. Murphy, je te présente mes amis, le docteur Bricker. Bonjour. Gopher Smith. Oui. Et... Mademoiselle Sylvia Karblonska. Bonjour Sylvia. Et lui, c'est Isaac Washington. Mademoiselle. Et notre commandant bien-aimé, Meryl Stubbing.
Oh, je suis enchantée, Meryl. Mademoiselle? Murphy aimerait dire la bonne aventure aux passagers. Ah. C'est ça, je vais révéler tous les secrets de leur avenir sentimental à vos passagers. Si vous doutez de mes capacités, je peux vous faire une démonstration sur le champ. Non, merci. Je suis certain que votre talent sera apprécié de tous nos jeunes passagers. Oh, je vous en prie, Meryl, tout le monde ici-bas a un avenir sentimental. Tu as entendu ça? Voyez-vous, oui. Mademoiselle, j'ai peur que mon avenir sentimental soit déjà derrière moi. Oh. J'adore cet homme. Et on dirait que je lui ai tapé dans l'œil. Absolument fou de toi, ma chérie. Oh, je veux dire, de vendre toutes tes actions, tout cet argent qu'on va dépenser. Qu'est-ce que j'en aurais fait? Je l'aurais gardé pour mes vieux jours. Oh, tu sais que je me demande bien ce que je ferais sans toi. Tu te morfondrais au fond d'un jardin sur une chaise roulante dans ta maison de retraite en compagnie de vieux croutons au lieu de te préparer à vivre une nouvelle vie au soleil de Mexico. Mais nous sommes vraiment fous. On ne connaît personne au Mexique. Tu as peur? Je suis pétrifiée. Moi aussi. Oh. N'est-ce pas que c'est une merveilleuse aventure? Oh, hein? Chérie, je me sens trop. Surveillée. Salut, la censure. Et voilà. Ah, merci, Gopher. Ça m'a fait très plaisir d'observer tout le monde monter à bord. Vous avez repéré l'homme de votre vie, j'espère? Non. C'était lequel? Personne ne m'a adressé la parole? À plus tard, Sylvia. Oh, où vas-tu? Où est-ce que je peux te trouver? Je dois monter à la piscine. Écoute, mets ton maillot de bain et rejoins-moi. Non, j'ai une meilleure idée. Je redescends te prendre dans un quart d'heure et on y va ensemble. Entendu. Je t'attends tout de suite. Hein? Eh ben, dis donc, si cette demoiselle est ta voisine, on ne va pas se marrer souvent sur ton palier. Voyons voir. Cette ligne-là représente votre avenir sentimental. Oh, je vois un étranger, un bel étranger. Oh, ouh! À quoi ressemble-t-il? C'est un homme. Oh, génial! Je pourrais envoyer un télégramme à maman. Oh, vous êtes chauve. Oh non, je vous en prie, laissez-moi voir. Oh, la phrénologie est l'une de mes spécialités. La quoi? L'étude du caractère d'après la conformation du crâne. Mais ne tripotez pas. Oh, je n'ai plus aucune retenue quand je vois un crâne aussi fantastique que celui que vous avez. Mon crâne? Ah oui. Fantastique? Vous ne devriez jamais porter de casquette. Vraiment? Oh oui, vous avez un sourire très séduisant par-dessus le marché. Oh, vous savez. À vos ordres, charmeur. C'est à vos ordres, charmeur. Oh, Murphy a toujours su trouver le mot juste. Toujours. Voilà, et si tu veux rencontrer des gens sympas, ben, rien ne vaut la piscine. Comment on fait? Hein? Et comment? Ben, il suffit de laisser le... Ben, comme ça, tu parles au premier venu, quoi, c'est tout. Et ne bouge pas. Là, ben c'est... Ah ben c'est mieux. Bien mieux maintenant. Tiens, assieds-toi. Mets-toi à ton aise. Et... Attends, je vais te chercher un verre. Qu'est-ce que tu veux boire? Une limonade, s'il te plaît. D'accord. J'y vais. Dis-moi, ta petite copine a peur d'attraper un rhume? Une limonade, s'il te plaît, et garde tes vannes pour toi. Dis-lui qu'il faut un appât pour attraper du poisson. Hey, on dirait qu'il y a un poisson qui cherche à frayer. Mordra ou mordra pas? Alors, allez.
Allez, allez, ma petite poule, vas-y, vas-y. Un petit effort. Allez. Ouais. Allez, tournez-vous, Sylvia, tournez-vous. Oh, le gentil poisson affilé. Bof, elle l'aurait remis à l'eau de toute façon. Trop petit. Face à une telle situation, il faut prendre des mesures pour qu'elle reprenne confiance en elle. Allez voir ça, attendez. Maman, c'est uniquement dans ton intérêt. Tu serais malheureuse en pays étranger, c'est certain. Et franchement, tu es bien trop fragile pour te débrouiller toute seule. Je ne serai pas seule à Londres, je serai avec Ned. Francis pense qu'il est préférable que son père retourne dans la maison de retraite où il était. Et maintenant, Francis et moi allons essayer de trouver deux cabines et ensuite on vous aidera à monter sur le pont. Elle a bien dit qu'elle viendrait nous aider. Ned, est-ce que mes vieux os jouent vraiment des castagnettes? Inutile de te faire du mouron. Nous n'aurons pas à les supporter très longtemps. Demain, nous nous lèverons avec le soleil et nous débarquerons avant qu'ils aient ouvert l'œil. C'est mal appris. Tu es merveilleux, chérie. Coucou, il va falloir que vous nous hébergiez cette nuit. Il ne leur reste rien de libre. Même pas une ou deux chaises pliantes? Une cabine de douche? Un placard à balai? À vous deux, quel sens de l'humour. Bonsoir. Bonsoir. C'est dur de trouver sa table la première fois, n'est-ce pas? Oui. Tiens, prends mon bras. Voilà. Bonsoir. Je vous présente une amie, Sylvia. Tu ne dînes pas avec moi? Non, je suis de service. Mais si tu as besoin de quoi que ce soit, siffle ton commissaire de bord préféré, d'accord? Bon appétit. Pour vous, femme admirable, de la part d'un admirateur. Est-ce que quelqu'un d'autre s'appelle Sylvia? Un coiffeur! Regarde ce qu'on m'a envoyé. Oh, sympathique ça, hein? Est-ce que chaque fille à bord y a droit? Non. Alors, je n'ai plus de soucis à me faire pour toi, il me semble. N'est-ce pas? Quelle chance, Sylvia. Vous avez déjà un admirateur. Pas mal. Et on n'est que le premier soir, en plus. Je raffole des roses. Ah. J'aimerais savoir d'où elles viennent. Peut-être qu'il est timide. Oui, oui. Sûrement, oui. Mais peut-être qu'il me cherche. Je préfère retourner à ma table. Dis, Goffer, c'est toi? Oui, j'ai pensé que ça pourrait l'aider à prendre de l'assurance. Tu es trop mignon, ma petite poule. Non, je t'assure, tu es incroyable. Tu es un merveilleux psychologue. Hein? On va prendre le crabe mayonnaise et ensuite on prendra des cœurs de palmier. Papa, c'est beaucoup trop indigeste. Tu sais ce que le médecin a dit. On va prendre le crabe mayonnaise, les épinards en salade et le chateaubriand pour deux. Un chateaubriand? Il n'en est absolument pas question. Maman pourrait être dérangée. On ne veut pas qu'ils aient l'estomac complètement patraque. Voilà ce que vous allez faire. Vous allez nous servir tout ce que Ned a commandé, plus 4 bouteilles de bon vin. Comme ça, si on a l'estomac complètement patraque, on sera bien trop bourré pour le remarquer. Là, c'était bon? Oh, c'était pas mauvais. Le contraire m'aurait surpris. Je savais bien que je dînais trop tôt. Bonsoir, commandant.
Eh, commandant, n'oubliez pas que vous devez prendre un cocktail avec Madame Wicklam à la fête foraine ce soir. Ah, dites-lui que ce n'est pas possible. Bien, commandant. Une affaire urgente? Absolument. Je vois ma chiromancienne. Tomber d'épuisement. Oui, ils prennent plaisir à nous défier, on dirait. Et commander du champagne, hein? Vraiment injuste. Qui est-ce qui va encore devoir s'occuper d'eux quand ils auront fini de jouer aux adolescents? Vous et moi, qui d'autre? C'est à ça que j'ai passé toute ma vie. Moi aussi, c'est pour ça que je ne me suis jamais mariée. Ça me plaît de vous connaître. Même s'il a fallu que ça se passe dans des circonstances aussi pénibles. Ça me plaît aussi d'avoir fait votre connaissance. Merci. On ne devrait pas trop abuser de la bouteille. Nos parents ont besoin de nous. Au diable, nos parents, resservez-moi du champagne. Ce que j'aime les soirs de fête foraine, c'est l'euphorie qui règne. Tout le monde est heureux. Je ne supporte pas de voir des gens malheureux, moi. Ça me déprime. Vous voulez bien m'excuser, je vous prie? Alors, comment ça va? Bien. Génial, hein? Pas très bien. Pas génial? Il ne s'est pas encore manifesté, je n'attends que lui pourtant. Bien, il faut persévérer. Ça doit être un garçon timide, c'est certain. C'est toi qui devrais le chercher. Je mets ta vie. Écoute, j'ai une idée. On va aller danser ensemble dans la salle à Acapulco. Ça le fera peut-être venir. D'accord. Oh, mais il est tard, tu ne crois pas? Il n'est jamais trop tard pour les amoureux. Tiens, tu vois ça? Il est 8 heures du matin, à Paris. Allez, viens. Asseyez-vous. Vous avez l'air un peu tendu, non? Oui, je ne sais pas du tout ce que je fais là. Moi, je sais. Donnez-moi votre main. Pourquoi faire? Je vous lis les lignes de la main, pas... Oh, je... Voilà. Bien, alors voyons voir. Ça, c'est votre ligne de cœur. Ah non, ça c'est votre ligne de vie. Votre ligne de cœur, c'est celle-là. Attendez une petite minute. Est-ce que c'est ça? Voyons. Oh, je n'y retrouve jamais dans toutes ces lignes. Il faut que je consulte ma carte. Les grands sorciers eux-mêmes se servent de grimoire. Eh ben voilà une curieuse façon de faire son boulot. Mais je suis une débutante. Vous pouvez donner de faux espoirs. En expliquant aux gens comment faire pour trouver l'amour. Oh, écoutez, si un pirate vous dit exactement où est caché le trésor et que vous n'allez pas le chercher. Est-ce que le pirate est fautif? Aucun rapport avec notre histoire. Aucun, c'est vrai, mais ça sonne bien, non? Bon, on travaille. Vous êtes divorcé. C'est vrai? Mais qui vous a dit ça? Ben, Julie, évidemment. Ouais, je vais lui dire deux mots à celle-là. Un homme, les cheveux blonds roux, des lunettes, un sourire charmeur. Et il porte un costume blanc. C'est un uniforme à première vue. Vous allez passer une merveilleuse soirée avec lui. Danse, champagne, baiser tendre et au petit matin, vous réveiller entre ses bras. Si ça ne vous ennuie pas, docteur, j'aimerais consulter une professionnelle. Va
Vas-y doucement, mon fils. T'as de la chance d'avoir un fils comme moi. Je regrette de ne pas avoir de fils. Remarque, c'est tout à fait normal, puisque j'ai toujours pas de femme. Et c'est une honte quand on y pense de ne pas être marié à mon âge. À son âge, c'est un drame. Vous feriez un mari et un père merveilleux. Pas nécessairement dans cet ordre. Laissez-moi, laissez-moi faire ça. Entrez, c'est ouvert. Soyez les bienvenus. Tu permets que je t'aide, fiston? Laisse, papa, je suis parfaitement capable de me brouiller. Oh, Francis. Oui, papa. Francis, vous endormez pas, on a 4 lits à préparer. Oui, papa. Et puis d'ailleurs, on devait simplement coucher les parents et vous deviez m'emmener voir le clair de lune. Francis. Oh, Ned, ils dorment comme des souches. Oui, on fait les bagages. Je parie que les roses et le monde étaient envoyés à la mauvaise table. Oh, mais ça m'étonnerait beaucoup, ça. Il se manifestera sûrement demain matin. Et même si c'est pas le cas, il y a un tas d'autres garçons séduisants ici. Mais oui, un tas. Pourquoi se limiter à lui? Regardez autour de vous. C'est gentil, mais inutile d'essayer de me remonter le moral. Je ne suis peut-être pas faite pour les liaisons sentimentales. En croisière ou ailleurs. Que faites-vous? Ah, commandant, vous avez un joli bateau, mais ne me demandez pas de rester dans une cabine où les fenêtres n'ouvrent pas. Les fenêtres n'ouvrent jamais sur un bateau, mais personne ne peut dormir ici. Est-ce contraire au règlement? C'est extrêmement irrégulier. Oh, cher commandant, est-ce que j'ai l'air extrêmement régulière, comme vous dites? Conduit d'une façon grossière envers vous tout à l'heure. En venant vous trouver, j'espérais une chose qui... Oui, vous espériez simplement que je vous promette le grand amour et qu'ensuite, je transforme la promesse en réalité. Oui, j'ai été stupide. C'était sans doute trop demandé. En fait, je crois que j'y serais arrivée. Le problème chez vous, Mary Stubbing, c'est que derrière cette façade assez sévère et plutôt guindée se cache un homme sentimental qui cherche à s'évader. Par-dessus le marché, vous êtes tombé sur cette jeune femme exaltée, quoique attirante, qui a passé le plus clair de la journée à tout tenter pour que vous la remarquiez. Et comme si ça ne suffisait pas, vous êtes là maintenant, assis tout seul à ses côtés, sous ce ciel magnifiquement étoilé. Vous êtes très mal parti. Pourquoi est-ce que j'ai l'impression que vous avez toujours su qu'on se retrouverait ensemble ici tous les deux?
Je pense que vous-même le pressentiez, mais seulement vous refusiez de l'admettre. Oui, c'est la grande différence entre vous et moi, commandant. Je crois que je commence à être persuadé que vous pouvez prédire l'avenir. Oui. En tout cas, je suis sûre de ce qui va arriver dans les 2 secondes qui viennent. Dis-moi bonne nuit, Meryl. Bonne nuit, Murphy. Commandant, dites, quelle heure est-il? 5h30, 5h35 du matin. On aura besoin de vous d'ici 25 minutes, on arrive à Puerto Vallarta. Je n'ai sans doute pas le temps de prendre le petit déjeuner. Le petit déjeuner est servi. Papaye fraîche, brioche avec marmelade, tranches de bacon, des œufs brouillés et du café. Ce sera tout, Isaac. Bien, commandant. Mademoiselle. Ah. Bonjour. À ta santé? À notre santé. Bravo. Francis, réveillez-vous. Endors-toi, papa. Francis, on a dormi dans le même lit. Hein? J'ai rien contre, et toi? C'est vrai? Chut. Chut. Nos parents! Chérie, je te parie ma chemise. Qu'ils sont encore en train de ronfler. Ils sont partis! Francis, est-ce que tu m'as appelé, chérie? Papa! Oh, maman! Une jeune mariée se doit d'avoir un bouquet de fleurs. Oh, Ned! On dirait qu'on a réussi à leur fausser compagnie. Que crois-tu qu'ils feront quand ils s'en apercevront? Eh bien, si ça dépend seulement de ton cher fils, pas grand-chose. Ce qui signifie? Voyons, ce n'est pas exactement un homme d'action. Il serait plutôt du genre cul de plomb. Molly, c'est de la chair, de ma chair dont tu parles. Ah oui, ça, de la chair, il en a, il est même obèse. Je préfère qu'il soit en chair que squelettique et il n'est pas obèse. Ah. Et ta fille, qu'est-ce que c'est? Un vrai sac d'os sèche comme une trique. C'est une charmante enfant. Tout le monde dit que c'est une sainte. Sainte banane. Est-ce que tu veux dire que je n'ai pas été une bonne maman? C'est toi qui as l'air de vociférer contre moi. Jamais je ne te dirai rien, plus un seul mot. Ah, papa, Dieu soit loué. Maman, est-ce que ça va? Tu avais raison. J'ai été idiote d'accepter de m'enfuir avec ce... Oh, tiens, voilà tes fleurs. Allons. Alors, qu'est-ce que je t'avais dit? Je sais. Mon père n'est qu'un vieux fou ridicule. Non, tu n'es pas ridicule, papa, et je t'assure que tu n'es pas fou. En tout cas, il reste que je suis vieux. Oui. J'avoue que j'ai beaucoup de mal à le croire. Non, mais tu veux dire que le commandant et Murphy ont passé toute la nuit ensemble au bord de la piscine? T'as tout compris. Les sentiments, ça ne se commande pas, même quand on est commandant. Gopher, tu avais raison. Vous aviez tous raison. Bah, bien sûr qu'on avait raison. Il y avait raison de quoi? Hier soir, quand vous m'avez laissé devant ma cabine, j'y suis entrée. À ma grande surprise, elle était pleine de roses. Il y en avait partout. Une vraie moquette de roses.
Merveilleuse, hein? S'il y avait la moitié moins de fleurs à mon enterrement, je serais la femme la plus heureuse au monde. Oh, j'ai été inspirée de suivre ton conseil. C'est les vacances idéales pour une célibataire. Je vais retourner dans ma cabine et je vais l'attendre pour lui dire que je l'aime aussi. Sylvia, vous ne croyez pas que ce sera probablement à la piscine qu'il vous cherchera? J'ai passé toute la journée d'hier à l'attendre. Il n'a probablement pas osé s'approcher de moi tellement il y avait de beau monde autour. Bon, je raconterai. Tu vois ce qui arrive avec tes idioties? Ah oui, ça c'est idiot. Bon, la première fois c'était gentil, mais cette fois, mon cher, ça devient nettement méchant. Peut-être qu'elle n'a pas reçu de rose, peut-être qu'elle a tout inventé comme prétexte pour rester dans sa cabine. Elle n'était pas en grande forme hier soir. Pauvre fille, elle se ment à elle-même. Et tout ça à cause de moi. Ah, c'est ici. Oh, écoute, maman, je sais que nous sommes sur un bateau, mais tu peux me croire, c'est un vrai médecin. Oui? Ah, entrez, je vous en prie. Ah, docteur, veuillez examiner ma mère, elle ne se sent pas très bien. Mais bien sûr. Qu'est-ce qui ne va pas? Racontez-moi ça. Oh, il y a que je ne me sens pas dans mon assiette. J'aurais grand besoin d'une cure de rajeunissement. Mais vous êtes la plus jolie patiente que j'ai eue de la journée. Parce que j'ai été la seule. Je vais examiner votre mère. Revenez dans une demi-heure. Entendu. À tout à l'heure, maman. Je ne vous ferai pas de mal. Rowena? Oh! Est-ce que ça va? Oh, ça va très bien. C'est maman qui voit le médecin. Où est ton père? Allongé dans la cabine. C'est son arthrite, enfin, ça lui a repris. Oh, c'est pas de chance. Enfin, nous sommes là pour nous occuper d'eux, c'est le principal. Eh oui. Salut, jeune marié, où que vous soyez, c'est l'amour qui vous fait vivre. Pourquoi ce sourire? Ah, cette chanson pourrait être notre chanson. Et si on allait ailleurs? Qu'est-ce qu'il y a? Trop de vieux décrépits. Champagne, mon cher. Tout de suite, monsieur. Vous savez, quand je vous ai vu monter à bord, j'étais sûr que vous étiez des ringards coincés du genre casse-pied. On vous a bien eu, hein? Oui, il y a des chances. En fait, vous êtes exactement comme vos parents, débordant d'une joie qui montre qu'on adore la vie. Au fait, où est-ce qu'ils sont, vos parents? Ils ne sont pas venus danser. Francis, qu'est-ce qu'on a fait? J'en sais rien. Moi, je fais toujours des gaffes. Je ferai beaucoup mieux d'attendre dans ma cabine. Après une seule danse, ça jamais. À ton avis, est-ce qu'elle s'amuse? Oh, ça vaut mieux que de se morfondre toute seule dans une cabine. Oui. Je suis désolée, il faut que je retourne dans ma cabine. Il me cherche sûrement. Oh. Et dansons, j'emmerde dans le lit. Pourquoi personne ne veut que je retourne dans ma cabine? Toute la journée, on m'a fait jouer au domino, au badminton, au bingo. C'est toi qui veux m'empêcher de rencontrer mon admirateur. Et tu sais, je voulais que tu passes enfin des vacances très chouettes pendant cette croisière. Oh, mais dans ce cas, laisse-moi retourner dans ma cabine. Tu es venu à bord parce que je pensais que ton romantisme conviendrait à celui du bateau. Mais je me suis dit que tu avais besoin d'aide pour trouver l'âme sœur. Oh, mais de quoi est-ce que tu parles? Voilà, j'ai pensé qu'en te faisant croire qu'un des passagers était fou de toi, tu prendrais assez d'assurance pour aborder les gens et que tu trouverais l'âme sœur. Alors, je t'ai envoyé les roses. Sylvia, je suis vraiment désolé.
Non, ça fait rien. Je savais que cette histoire était bizarre. On n'offre pas des roses à une fille comme moi. Je suis désolée de t'avoir donné autant de mal. Tu as perdu la tête? Pas le moins du monde. Personne ici n'a perdu la tête, ni vous ni nous. Il y a simplement que Rowena et moi en avons ras-le-bol de jouer les gardes malades. Mais je croyais que... Il n'y a pas de mais. Il est grand temps maintenant que nous pensions à vivre notre vie. Nous n'aurons donc plus les moyens de vous remettre dans cette maison de retraite. Voilà. Nous allons reprendre la danse. Si tu tiens à rester ici à attendre que ton arthrite s'aggrave, ça ne regarde que toi. Pète la santé, ce gros Bennett Francis. Il te ressemble plus que je ne pensais. Je crois qu'il est amoureux de Rowena. Oui. D'ailleurs, je comprends pourquoi. J'ai toujours eu un petit faible pour sa maman. Oh, Ned. Vous avez besoin qu'on vous dise la bonne aventure. Oh, ça ne servira à rien. Je connais déjà mon passé et je n'attends rien de spécial pour mon avenir. Oh, mais alors pourquoi ne pas me laisser regarder? Après tout, vous n'avez rien à perdre. Bon, laissez-moi voir. Oh, je vois un monsieur. C'est vrai, c'est un monsieur. Un monsieur avec plein de roses. C'est Gopher qui vous a dit de me dire ça. Viens maintenant. Ah non, je t'assure que je l'ai vu. Bonsoir. Je m'appelle Monroe Menvis. Oh. Et moi, Sylvia Karblonska. Ah, je sais. Vous vous êtes tellement apprécié, c'est dur de vous trouver seul. Moi? Ouais. Vous avez aimé les roses? Gopher vous a tout dit? Elle venait de moi. Oh. Il a dit qu'elle venait de lui. C'est un menteur. Enfin, peut-être qu'il a envoyé les deux petites au dîner, mais les centaines d'autres dans votre cabine, elles venaient de moi. C'est vrai? Pourquoi ne me l'avoir pas dit? En fait, je suis pas très doué pour aborder les filles, surtout les belles filles. Et puis d'ailleurs, vous êtes toujours avec ce Gopher, alors... Oh, lui, mais ça n'est qu'un camarade. Et c'est comme un frère. C'est vrai, ça? Oh, il a l'air plutôt gentil. Si vous voulez, je crois qu'on pourrait danser. Danser si vous voulez, si ça vous chante. Oui, ça me chante énormément. Et si on dansait ici au clair de lune? Oh, ce serait vraiment fantastique. Ah oui, je veux dire, fantastique. Il faut d'abord que je vous avertisse. Je ne suis pas très grand. Vous êtes tout à fait ma taille.
Surprise pour toi. Là, ferme les yeux maintenant. Pourquoi? Non, je t'en prie, tu fermes les yeux, tu ne discutes pas. Voilà. Et tu ne les ouvres pas. Hein. Une petite seconde. Une belle surprise que tu vas bien aimer. Ça y est, regarde. Meryl. Je me la suis offerte en espérant qu'elle me rajeunirait. C'était bien avant de te connaître. Oh. Et si tu l'achetais par-dessus bord? Ah oui, eh bien au revoir, belle perruque. Oh, le temps passe vite quand on s'amuse. Ça peut durer toujours, tu sais. Tu n'as qu'à travailler à bord quelques temps et tu seras animatrice. Ou bien tu seras vendeuse à la boutique, ou bien... Enfin, ça peut s'arranger. Je serai près de toi. Meryl, je t'aime, moi aussi. L'ennui, c'est que je pense être une amie correcte, mais je ne suis pas une excellente épouse. Mais je ne comprends pas. Tu es la chose la plus importante qui soit dans ma vie ce soir, mais dans 8 jours. Hein? Qui sait? L'amour toujours, ça n'a jamais été dans mes cordes, je suis désolée. Mais moi aussi, je trouve tout à fait naturel que tu ne tiennes pas à prendre d'engagement envers un homme tellement plus mûr que toi. J'en étais sûre, Meryl. Est-ce que tu es vieux jeu des fois? Si je t'aime, c'est parce que tu es toi, et si difficile à faire entrer dans ta caboche. Il reste que c'est extrêmement rare. C'est extrêmement rare. Oui. Je sais. Enfin, de toute façon, tu as raison. Tu es beaucoup trop sage pour moi et moi bien trop volage pour toi. Alors disons-nous adieu avant qu'un malheur ne nous arrive. C'est vraiment sérieux ce que tu... Bien sûr que c'est sérieux. Je l'aurais pas dit si c'était pas sérieux, tu sais. Justement, je ne sais pas. Écoute, Murphy, reconsidère la question, si tu... Oh, Meryl, tu es très vieux jeu des fois. Bonsoir. Et n'oubliez pas ma proposition, 2 prises de sang pour le prix d'une seule. Oh. Vous allez passer à la mairie ensemble. Exactement. Mais on se sépare pour la lune de miel. Il ronfle trop fort la nuit. Bon, au revoir et merci encore. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Hé, hey, tu as l'air bien pressé. Où est le commandant? Oh, ça s'est terminé en eau de boudin. Je suis désolée pour vous. Tu veux bien donner ça à Meryl? D'accord. D'accord, au revoir. Au revoir, chérie. Je suis vraiment désolée. Oh, merci 100 fois, Gopher. Merci infiniment pour tout ce que tu as fait. Tu as eu la chance de le connaître. Oui, cette croisière est une réussite sur tous les points. Je t'ai déjà raconté des histoires. Au revoir. Merci. Commandant? Oui? Murphy a laissé ça pour vous et je suis désolée. Cher Meryl, désolée que ça se termine ainsi. Je sais que c'est l'âge de partir sans dire au revoir, mais le courage n'a jamais été mon fort en pareille situation. J'ai passé un merveilleux moment. Je t'aime, c'est vrai, Murphy. Cette fois, j'ai complètement raté ma sortie. Bonsoir.
Je t'envoie une lettre d'adieu touchante, mais quand il s'agit de s'en aller, je n'ose pas. Tu n'oses pas? Manque de courage. J'étais à deux doigts de m'en aller, et puis tout à coup, j'ai réfléchi à ta proposition d'emploi comme vendeuse à la boutique du bord. Peut-être que ça finirait par me plaire. Tu t'ennuierais. Oh, mais je... Tu sais que tu t'ennuierais. Je le sais aussi. Écoute. Je t'aime infiniment. Assez pour te laisser libre. Alors, pars vite avant que je perde mon sang-froid. Vous êtes le capitaine? Oui. Bien. Bien, je m'en vais, alors. Quoi qu'il en soit, tu as vraiment une très belle ligne de cœur, tu sais. Peut-être. Peut-être qu'on pourrait se dire au revoir en prenant un petit déjeuner. Oui, et en déjeunant et peut-être en dînant. J'ai une semaine de congé. Pour se dire qu'on s'aime, c'est ce qu'il faut. Je sais. Donnez-moi votre main. Pourquoi faire? Je vous lis les lignes de la main, pas. Oh, je ne sais pas. Voilà. Bien. Alors, voyons voir. Ça, c'est votre ligne de cœur. Ah non, ça, c'est votre ligne de vie. Votre ligne de cœur, c'est celle-là. Attendez une petite minute. Est-ce que c'est ça? Voyons. Oh, je n'y retrouve jamais dans toutes ces lignes. Il faut que je consulte ma carte. Les grands sorciers eux-mêmes se servent de grimoire. Eh ben voilà une curieuse façon de faire son boulot. Mais je suis une débutante. Vous pouvez donner de faux espoirs. En expliquant aux gens comment faire pour trouver l'amour. Écoutez, si un pirate vous dit exactement où est caché le trésor et que vous n'allez pas le chercher, est-ce que le pirate est fautif? Aucun rapport avec notre histoire. Ok, c'est vrai, mais ça sonne bien, non? Bon, on travaille. Vous êtes divorcé. C'est vrai? Mais qui vous a dit ça? Ben, Julie, évidemment. Ouais, je vais lui dire deux mots à celle-là. Je vois un homme, les cheveux blonds roux, des lunettes, un sourire charmeur. Et il porte un costume blanc. C'est un uniforme à première vue. Vous allez passer une merveilleuse soirée avec lui. Danse, champagne, baiser tendre et au petit matin, vous réveiller entre ses bras. Si ça ne vous ennuie pas, docteur, j'aimerais consulter une professionnelle. Vas-y doucement, mon fils. T'as de la chance d'avoir un fils comme moi. Je regrette de ne pas avoir de fils. Remarque, c'est tout à fait normal, puisque j'ai toujours pas de femme. Et c'est une honte quand on y pense de ne pas être marié à mon âge. À son âge, c'est un drame. Vous feriez un mari et un père merveilleux. Pas nécessairement dans cet ordre. Laissez-moi faire ça. Ah. Entrez, c'est ouvert. Soyez les bienvenus. Tu permets que je t'aide, fiston? Laisse, papa, je suis parfaitement capable de me bombrouiller. Oh. Francis. Oui, papa. Francis, vous endormez pas. On a quatre vies à préparer. Oui, papa. Et puis d'ailleurs, on devait simplement coucher les parents et vous deviez m'emmener voir le clair de lune. Francis.
Pas mal. Et on n'est que le premier soir, en plus. Je raffole des roses. Ah. J'aimerais savoir d'où elles viennent. Peut-être qu'il est timide. Oui, oui. Sûrement, oui. Mais peut-être qu'il me cherche. Je préfère retourner à ma table. Diego, c'est toi? Oui, j'ai pensé que ça pourrait l'aider à prendre de l'assurance. Tu es trop mignon, ma petite poule. Non, je t'assure, tu es incroyable. Tu es un merveilleux psychologue. On va prendre le crabe mayonnaise et ensuite on prendra des cœurs de palmier. Papa, c'est beaucoup trop indigeste. Tu sais ce que le médecin a dit. On va prendre le crabe mayonnaise, les épinards en salade et le chateaubriand pour deux. Un chateaubriand? Il n'en est absolument pas question. Maman pourrait être dérangée. On ne veut pas qu'ils aient l'estomac complètement patraque. Voilà ce que vous allez faire. Vous allez nous servir tout ce que Ned a commandé, plus 4 bouteilles de bon vin. Comme ça, si on a l'estomac complètement patraque, on sera bien trop bourré pour le remarquer. Là, c'était bon? Oh, c'était pas mauvais. Le contraire m'aurait surpris. Je savais bien que je dînais trop tôt. Bonsoir. Bonsoir, commandant. Eh, commandant, n'oubliez pas que vous devez prendre un cocktail avec Madame Wicklam à la fête foraine ce soir. Ah, dites-lui que ce n'est pas possible. Bien, commandant. Une affaire urgente? Absolument. Je vois ma chiromancienne. Tomber d'épuisement. Oui, ils prennent plaisir à nous défier, on dirait. Et commander du champagne, hein? Vraiment injuste. Qui est-ce qui va encore devoir s'occuper d'eux quand ils auront fini de jouer aux adolescents? Vous et moi, qui d'autre? C'est à ça que j'ai passé toute ma vie. Moi aussi, c'est pour ça que je ne me suis jamais mariée. Ça me plaît de vous connaître. Même s'il a fallu que ça se passe dans des circonstances aussi pénibles. Ça me plaît aussi d'avoir fait votre connaissance. Merci. On ne devrait pas trop abuser de la bouteille. Nos parents ont besoin de nous. Au diable, nos parents, resservez-moi du champagne. Oui. Salut, jeune marié, où que vous soyez, c'est l'amour qui vous fait vivre. Pourquoi ce sourire? Cette chanson pourrait être notre chanson. Et si on allait ailleurs? Qu'est-ce qu'il y a? Trop de vieux décrépits. Du champagne, mon cher. Tout de suite, monsieur. Vous savez, quand je vous ai vu monter à bord, j'étais sûr que vous étiez des ringards coincés du genre casse-pieds. On vous a bien eu, hein? Oui, il y a des chances. En fait, vous êtes exactement comme vos parents, débordant d'une joie qui montre qu'on adore la vie. Au fait, où est-ce qu'ils sont, vos parents? Ils ne sont pas venus danser? Francis, qu'est-ce qu'on a fait? J'en sais rien. Moi, je fais toujours des gaffes. Je crois que je ferai beaucoup mieux d'attendre dans ma cabine. Après une seule danse, ça jamais. À ton avis, est-ce qu'elle s'amuse? Oh, ça vaut mieux que de se morfondre toute seule dans une cabine. Oui. Je
Je suis désolée, il faut que je retourne dans ma cabine. Il me cherche sûrement. Oh, oh là, oh. Et dansons, j'emmerde Angie. Pourquoi personne ne veut que je retourne dans ma cabine? Toute la journée, on m'a fait jouer au domino, au badminton, au bingo. C'est toi qui veux m'empêcher de rencontrer mon admirateur. Tu sais, je voulais que tu passes enfin des vacances très chouettes pendant cette croisière. Oh, mais dans ce cas, laisse-moi retourner dans ma cabine. Tu es venu à bord parce que je pensais que ton romantisme conviendrait à celui du bateau. Mais je me suis dit que tu avais besoin d'aide pour trouver l'âme sœur. Oh, mais de quoi est-ce que tu parles? Voilà, j'ai pensé qu'en te faisant croire qu'un des passagers était fou de toi, tu prendrais assez d'assurance pour aborder les gens et que tu trouverais l'âme sœur. Alors je t'ai envoyé les roses. Sentimental à vos passagers. Si vous doutez de mes capacités, je peux vous faire une démonstration sur le champ. Non, merci. Je suis certain que votre talent sera apprécié de tous nos jeunes passagers. Oh, je vous en prie, Meryl, tout le monde ici-bas a un avenir sentimental. Tu as entendu ça? Voyez-vous, oui. Mademoiselle, j'ai peur que mon avenir sentimental soit déjà derrière moi. Oh. J'adore cet homme. Et on dirait que je lui ai tapé dans l'œil. Absolument fou de toi, ma chérie. Oh, je veux dire, de vendre toutes tes actions, tout cet argent qu'on va dépenser. Qu'est-ce que j'en aurais fait? Je l'aurais gardé pour mes vieux jours. Oh, tu sais que je me demande bien ce que je ferais sans toi. Tu te morfondrais au fond d'un jardin sur une chaise roulante dans ta maison de retraite en compagnie de vieux croutons au lieu de te préparer à vivre une nouvelle vie au soleil de Mexico. Mais nous sommes vraiment fous. On ne connaît personne au Mexique. Tu as peur? Je suis pétrifiée. Moi aussi. Oh. N'est-ce pas que c'est une merveilleuse aventure? Oh, hein? Chérie, je me sens trop. Surveillée. Salut, la censure. Et voilà. Merci, Gopher. Ça m'a fait très plaisir d'observer tout le monde monter à bord. Vous avez repéré l'homme de votre vie, j'espère? Non. C'était lequel? Personne ne m'a adressé la parole? Plus tard, Sylvia. Oh, où vas-tu? Où est-ce que je peux te trouver? Je dois monter à la piscine. Écoute, mets ton maillot de bain et rejoins-moi. Non, j'ai une meilleure idée. Je redescends te prendre dans un quart d'heure et on y va ensemble. Entendu. Je t'attends tout de suite. Hein? Eh ben, dis donc. Si cette demoiselle est ta voisine, on ne va pas se marrer souvent sur ton palier. Voyons voir. Cette ligne-là représente votre avenir sentimental. Oh, je vois un étranger, un bel étranger. Oh, ouh! À quoi ressemble-t-il? C'est... Que faites-vous? Ah, commandant, vous avez un joli bateau, mais ne me demandez pas de rester dans une cabine où les fenêtres n'ouvrent pas. Les fenêtres n'ouvrent jamais sur un bateau, mais personne ne peut dormir ici. Est-ce contraire au règlement? C'est extrêmement irrégulier. Oh, cher commandant, est-ce que j'ai l'air extrêmement régulière, comme vous dites?
Murphy. Je vous demande pardon. Je me suis conduit d'une façon grossière envers vous tout à l'heure. En venant vous trouver, j'espérais une chose qui... Oui, vous espériez simplement que je vous promette le grand amour et qu'ensuite, je transforme la promesse en réalité. Oui. J'ai été stupide. C'était sans doute trop demandé. En fait, je crois que j'y serais arrivée. Le problème chez vous, Mary Stubbing, c'est que derrière cette façade assez sévère et plutôt guindée se cache un homme sentimental qui cherche à s'évader. Par-dessus le marché, vous êtes tombée sur cette jeune femme exaltée, quoique attirante, qui a passé le plus clair de la journée à tout tenter pour que vous la remarquiez. Et comme si ça ne suffisait pas, vous êtes là maintenant, assis tout seul à ses côtés, sous ce ciel magnifiquement étoilé. Vous êtes très mal parti. Pourquoi est-ce que j'ai l'impression que vous avez toujours su qu'on se retrouverait ensemble ici tous les deux? Je pense que vous-même le pressentiez, mais seulement vous refusiez de l'admettre. Oui, c'est la grande différence entre vous et moi, commandant. Je crois que je commence à être persuadé que vous pouvez prédire l'avenir. Oui. En tout cas, je suis sûre de ce qui va arriver dans les deux secondes qui viennent. Dis-moi bonne nuit, Meryl. Est-ce contraire au règlement? Extrêmement irrégulier. Oh, cher commandant, est-ce que j'ai l'air extrêmement régulière, comme vous dites? D'une façon grossière envers vous tout à l'heure. En venant vous trouver, j'espérais une chose qui... Oui, vous espériez simplement que je vous promette le grand amour et qu'ensuite, je transforme la promesse en réalité. Oui, j'ai été stupide. C'était sans doute trop demandé. En fait, je crois que j'y serais arrivée. Le problème chez vous, Mary Stubbing, c'est que derrière cette façade assez sévère et plutôt guindée se cache un homme sentimental qui cherche à s'évader. Par-dessus le marché, vous êtes tombée sur cette jeune femme exaltée, quoique attirante, qui a passé le plus clair de la journée à tout tenter pour que vous la remarquiez. Et comme si ça ne suffisait pas, vous êtes là maintenant, assis tout seul à ses côtés, sous ce ciel magnifiquement étoilé. Vous êtes très mal parti. Pourquoi est-ce que j'ai l'impression que vous avez toujours su qu'on se retrouverait ensemble ici tous les deux? Je pense que vous-même le pressentiez, mais seulement vous refusiez de l'admettre. Oui, c'est la grande différence entre vous et moi, commandant. Je crois que je commence à être persuadé que vous pouvez prédire l'avenir. Oui. En tout cas, je suis sûre de ce qui va arriver dans les deux secondes qui viennent. Dis-moi bonne nuit, Meryl. Bonne nuit, Murphy. Oh.
Francis, réveillez-vous. Endors-toi, papa. Francis, on a dormi dans le même lit. Hein? J'ai rien contre, et toi? C'est vrai? Chut. Nos parents! Nos parents! Chérie, je te parie ma chemise. Qu'ils sont encore en train de ronfler. Ils sont partis! Francis, est-ce que tu m'as appelé chérie? Papa! Oh, maman! Une jeune mariée se doit d'avoir un bouquet de fleurs. Oh, Ned! On dirait qu'on a réussi à leur fausser compagnie. Mmh. Que crois-tu qu'ils feront quand ils s'en apercevront? Eh bien, si ça dépend seulement de ton cher fils, pas grand-chose. Ce qui signifie? Voyons, ce n'est pas exactement un homme d'action. Il serait plutôt du genre cul de plomb. Molly, c'est de la chair, de ma chair dont tu parles. Ah oui, ça, de la chair, il en a, il est même obèse. Je préfère qu'il soit en chair que squelettique et il n'est pas obèse. Ah. Et ta fille, qu'est-ce que c'est? Un vrai sac d'os sèche comme une trique. C'est une charmante enfant. Tout le monde dit que c'est une sainte. Sainte banane. Est-ce que tu veux dire que je n'ai pas été une bonne maman? C'est toi qui as l'air de vociférer contre moi. Jamais je ne te dirai rien, plus un seul mot. Ah, papa, Dieu soit loué. Maman, est-ce que ça va? Tu avais raison. J'ai été idiote d'accepter de m'enfuir avec ce... Oh, tiens, voilà tes fleurs. Allons. Alors, qu'est-ce que je t'avais dit? Je sais. Mon père n'est qu'un vieux fou ridicule. Non, tu n'es pas ridicule, papa, et je t'assure que tu n'es pas fou. En tout cas, il reste que je suis vieux. Oui. J'avoue, j'ai beaucoup de mal à le croire. Non, mais tu veux dire que le commandant et Murphy ont passé toute la nuit ensemble au bord de la piscine? T'as tout compris. Les sentiments, ça ne se commande pas, même quand on est commandant. Oh, Gopher, tu avais raison. Vous aviez tous raison. Bah, bien sûr qu'on avait raison. Et on avait raison de quoi? Hier soir, quand vous m'avez laissée devant ma cabine, j'y suis entrée. À ma grande surprise, elle était pleine de roses. Il y en avait partout. Une vraie moquette de roses. Merveilleuse. S'il y avait la moitié moins de fleurs à mon enterrement, je serais la femme la plus heureuse au monde. Oh, j'ai été inspirée de suivre ton conseil. C'est les vacances idéales pour une célibataire. Je vais retourner. Ce sera tout, Isaac. Bien, commandant. Mademoiselle. Ah. Bonjour. Bonjour. À ta santé? À notre santé. Bravo. Francis, réveillez-vous. Endors-toi, papa. Francis, on a dormi dans le même lit. Hein? J'ai rien contre, et toi? C'est vrai? Chut. Nos parents! Nos parents! Chérie, je te parie ma chemise. Qu'ils sont encore en train de ronfler. Ils sont partis! Francis, est-ce que tu m'as appelé chérie? Papa! Oh, maman! Une jeune mariée se doit d'avoir un bouquet de fleurs. Oh, Ned! On dirait qu'on a réussi à leur fausser compagnie. Mmh. Que crois-tu qu'ils feront quand ils s'en apercevront? Eh bien, si ça dépend seulement de ton cher fils, pas grand-chose. Ce qui signifie? Voyons, ce n'est pas exactement un homme d'action. Il serait plutôt du genre cul de plomb. Molly, c'est de la chair, de ma chair dont tu parles. Ah oui, ça, de la chair, il en a, il est même obèse. Je préfère qu'il soit en chair que squelettique et il n'est pas obèse. Ah. Et ta fille, qu'est-ce que c'est? Un vrai sac d'os sèche comme une trique. C'est une charmante enfant. Tout le monde dit que c'est une sainte. Sainte banane. Est-ce que tu veux dire que je n'ai pas été une bonne maman?
C'est toi qui as l'air de vociférer contre moi. Jamais je ne te dirai rien, plus un seul mot. Ah, papa, Dieu soit loué. Maman, est-ce que ça va? Tu avais raison. J'ai été idiote d'accepter de m'enfuir avec ce... Oh, tiens, voilà tes fleurs. Allons. Alors, qu'est-ce que je t'avais dit? Je sais. Mon père n'est qu'un vieux fou ridicule. Non, tu n'es pas ridicule, papa, et je t'assure que tu n'es pas fou. En tout cas, il reste que je suis vieux. Oui. J'avoue, j'ai beaucoup de mal à le croire. Non, mais tu veux dire que le commandant et Murphy ont passé toute la nuit ensemble au bord de la piscine? Pleure, maman. Je ne vous ferai pas de mal. Rowena? Oh. Est-ce que ça va? Oh, ça va très bien. C'est maman qui voit le médecin. Où est ton père? Allongé dans la cabine. C'est son arthrite. Enfin, ça lui a repris. Oh, c'est pas de chance. Enfin, nous sommes là pour nous occuper d'eux. C'est le principal. Eh oui. Salut, jeune marié, où que vous soyez, c'est l'amour qui vous fait vivre. Pourquoi ce sourire? Cette chanson pourrait être notre chanson. Et si on allait ailleurs? Qu'est-ce qu'il y a? Trop de vieux décrépits. Du champagne, mon cher. Tout de suite, monsieur. Vous savez, quand je vous ai vu monter à bord, j'étais sûr que vous étiez des ringards coincés du genre casse-pieds. On vous a bien eu, hein? Oui, il y a des chances. En fait, vous êtes exactement comme vos parents, débordant d'une joie qui montre qu'on adore la vie. Au fait, où est-ce qu'ils sont, vos parents? Ils ne sont pas venus danser? Francis, qu'est-ce qu'on a fait? J'en sais rien. Moi, je fais toujours des gaffes. Je crois que je ferai beaucoup mieux d'attendre dans ma cabine. Après une seule dent, ça ne sert jamais. À ton avis, est-ce qu'elle s'amuse? Oh, ça vaut mieux que de se morfondre toute seule dans une cabine. Oui. Je suis désolée, il faut que je retourne dans ma cabine. Il me cherche sûrement. Oh, oh là, oh. Et dansons, j'emmerde en vie. Pourquoi personne ne veut que je retourne dans ma cabine? Toute la journée, on m'a fait jouer au domino, au badminton, au bingo. C'est toi qui veux m'empêcher de rencontrer mon admirateur. Tu sais, je voulais que tu passes enfin des vacances très chouettes pendant cette croisière. Oh, mais dans ce cas, laisse-moi retourner dans ma cabine. Tu es venu à bord parce que je pensais que ton romantisme conviendrait à celui du bateau. Mais je me suis dit que tu as... J'ai jamais porté de casquette. Vraiment? Oh oui, vous avez un sourire très séduisant par-dessus le marché. Oh, vous savez... Bon, vous savez, À vos ordres, charmeur. À vos ordres, charmeur. Oh, Murphy a toujours su trouver le mot juste. Toujours. Voilà, et si tu veux rencontrer des gens sympas, ben, rien ne vaut la piscine. Comment on fait? Hein? Et comment? Ben, il suffit de laisser le... Bah, comme ça, tu parles au premier venu, quoi, c'est tout. Et ne bouge pas. Là, c'est mieux. Bien mieux maintenant. Tiens, assieds-toi. Mets-toi à ton aise. Et. Attends, je vais te chercher un verre. Qu'est-ce que tu veux boire? Une limonade, s'il te plaît. D'accord. J'y vais. Dis-moi, ta petite copine a peur d'attraper un rhume. Une limonade, s'il te plaît, et garde tes vannes pour toi. Dis-lui qu'il faut un appât pour attraper du poisson. Hé,
On dirait qu'il y a un poisson qui cherche à frayer. Mordra ou mordra pas? Alors, allez, allez. Allez, allez, ma petite poule, vas-y, vas-y. Un petit effort. Allez. Ouais. Allez, tournez-vous, Sylvia, tournez-vous. Oh, le gentil poisson affilé. Bof, elle l'aurait remis à l'eau de toute façon. Trop petit. Face à une telle situation, il faut prendre des mesures pour qu'elle reprenne confiance en elle. Allez voir ça, attendez. Maman, c'est uniquement dans ton intérêt. Tu serais malheureuse en pays étranger, c'est certain. Et franchement, tu es bien trop fragile pour te débrouiller toute seule. Je ne serai pas seule à Londres, je serai avec Ned. Francis pense qu'il est préférable que son père retourne dans la maison de retraite où il était. Et maintenant, Francis et moi allons essayer de trouver deux cabines et ensuite on vous aidera à monter sur le pont. Elle a bien dit qu'elle viendrait nous aider. Ned, est-ce que mes vieux os jouent vraiment des castagnettes? Inutile de te faire du mouron. Nous n'aurons pas à les supporter très longtemps. Demain, nous nous lèverons avec le soleil et nous débarquerons avant qu'ils aient ouvert l'œil, c'est mal appris. Tu es merveilleux, chérie. Coucou, il va falloir que vous nous hébergiez cette nuit. Il ne leur reste rien de libre. Même pas une ou deux chaises pliantes? Une cabine de douche? Un placard à balai? À vous deux, quel sens de l'humour. Écoute, j'ai une idée. On va aller danser ensemble dans la salle Acapulco, ça le fera peut-être venir. D'accord. Oh, mais il est tard, tu ne crois pas? Il n'est jamais trop tard pour les amoureux. Tiens, tu vois ça? Il est 8 heures du matin, à Paris. Allez, viens. Asseyez-vous. Vous avez l'air un peu tendu, non? Oui, je ne sais pas du tout ce que je fais là. Moi, je sais. Donnez-moi votre main. Pourquoi faire? Je vous lis les lignes de la main, pas. Oh, je ne sais pas. Je... voilà. Bien. Alors, voyons voir. Ça, c'est votre ligne de cœur. Ah non, ça c'est votre ligne de vie. Votre ligne de cœur, c'est celle-là. Attendez une petite minute. Est-ce que c'est ça? Voyons. Oh, je n'y retrouve jamais dans toutes ces lignes. Il faut que je consulte ma carte. Les grands sorciers eux-mêmes se servent de grimoire. Eh ben voilà une curieuse façon de faire son boulot. Mais je suis une débutante. Vous pouvez donner de faux espoirs. En expliquant aux gens comment faire pour trouver l'amour. Oh, écoutez, si un pirate vous dit exactement où est caché le trésor et que vous n'allez pas le chercher. Est-ce que le pirate est fautif? Aucun rapport avec notre histoire. Aucun, c'est vrai. Mais ça sonne bien, non? Bon, on travaille. Vous êtes divorcé. C'est vrai? Mais qui vous a dit ça? Ben, Julie, évidemment. Ouais, je vais lui dire deux mots à celle-là. Je vois un homme, les cheveux blonds roux, des lunettes, un sourire charmeur. Et il porte un costume blanc. C'est un uniforme à première vue. Vous allez passer une merveilleuse soirée avec lui. Danse, champagne, baiser tendre et au petit matin, vous réveillez entre ses bras. Si ça ne vous ennuie pas, docteur, j'aimerais consulter une professionnelle. Vas-y doucement, mon fils. T'as de la chance d'avoir un fils comme moi. Je regrette de ne pas avoir de fils. Remarque, c'est tout à fait normal, puisque j'ai toujours pas de femme. Et c'est une honte quand on y pense de ne pas être marié à mon âge. À son âge, c'est un drame. Vous feriez un mari et un père merveilleux. Pas nécessairement.